Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Écoutons les textes de ce dimanche de la miséricorde divine, lus par la sœur Julienne Adorbouet, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palatiaou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Moïse Sabaga, de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendait témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus
et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 6. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Oh, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de célébrer avec joie le dimanche dernier la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, victoire de la vie sur la mort. Voilà le message pascal que nous portons désormais.
Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, traditionnellement connu comme dimanche de la divine miséricorde, Dieu nous révèle son amour infini pour l'homme. La question que l'on peut se poser ici, pourquoi parle-t-on de la divine miséricorde lorsque nous sommes encore dans la joie du Christ ressuscité? Miséricorde pour qui et envers qui? Quand nous savons que la mort du Christ nous a sauvés, la chose la plus importante à savoir dans tout ce mystère de Pâques est que la divine miséricorde est au cœur du message pascal. Voilà pourquoi déjà, le premier dimanche après Pâques, nous célébrons la fête de la divine miséricorde. Derrière tout le mystère de la Pâque se trouve l'amour miséricordieux de Dieu qui se concrétise dans l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours. Jésus, par sa mort sur la croix, nous a pardonné nos péchés en nous donnant la force de nous pardonner les uns les autres. Sans pardon, la vie est invivable. Là où l'on peut se pardonner, tout reprend vie et l'amour fleurit. Même quand son amour a été repoussé, Jésus a aimé. En cela, comme en tout le reste, il est notre modèle. Dans une vision de la Sainte Sœur Faustine, Jésus lui disait que l'humanité ne trouvera pas la paix jusqu'à ce qu'elle se tourne avec confiance en la divine miséricorde. C'est Dieu qui donne la paix à travers sa divine miséricorde. Il nous suffit donc de se tourner vers cette divine miséricorde avec confiance. Nous sommes tous invités en ce jour à refaire entre nous le geste de paix et de réconciliation que le Christ a proposé à Thomas. Nous sommes appelés à être des témoins de la divine miséricorde. Puissions-nous, grâce à l'Esprit et par l'intercession de Marie, celle qui a cru avant d'avoir vu, répondre généreusement à cet appel. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.